Yo les gens, qu'est-ce qu'on va se raconter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe anglais qui a révolutionné son époque. Ah bah non, c'est pas eux. Sorte de cocktail musical qui créa une œuvre digne de Frankenstein lors de la sortie de leur premier album. Ah, toujours pas. Évoluant dans la sphère underground britannique de la fin des années 60. Non, les potos, aujourd'hui on va se parler du premier album du groupe King Crimson, In the Court of Crimson King, c'est-y par générique. Nous voilà rendus en août 1967 dans le sud de l'Angleterre, plus précisément dans le comté de Dorset. Si tu ne vois pas où est le Dorset, il n'y a rien de plus simple, prends ta bagnole, va à Cherbourg, va en bord de mer, là, regarde en face de toi, le Dorset, c'est là, c'est le trou du Luc de l'Angleterre, mais c'est super beau. C'est dans la moiteur de la fin de l'été 1967 que les frères Kills, Michael et Peter, respectivement batteur et bassiste, décident de passer une petite annonce afin de recruter quelqu'un qui pourrait jouer de l'orgue et qui chanterait afin de monter un petit groupe de musique. Alerte spoil, ils vont pas trouver. À la place, ils vont trouver un binoclard qui sait pas chanter, par contre, il sait jouer de la gratte comme personne. Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Si, si, le bien nommé Robert Fripp. Bon, je préfère être honnête avec vous, on va arriver au moment de la vidéo où ça va être un peu le bordel, il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc Fripp et les deux frères Gills vont former un groupe avec un nom fortement inspiré, Gills, Gills and Fripp. Du coup, nos deux frangins, en plus de leurs instruments respectifs, vont s'occuper du chant, Robert Fripp de la guitare, et ça va leur permettre en 1968 de sortir leur premier album, The Cheerful Insanity, Gills, Gills and Fripp. Étant donné qu'on est déjà sur un truc bien barré, une alternance de morceaux avec des instrumentales bizarroïdes entrecoupées de mini-sketchs, bizarrement, ils rencontrent pas de succès espéré. Alors c'est pas un échec total, ça va leur permettre de faire quelques passages télévisuels et radiophoniques. Sentant qu'il leur manque un truc ou plus exactement quelqu'un... Alors ? On n'attend pas Patrick ? Non, on n'attend pas Patrick, par contre on recrute le multi-instrumentaliste Ian McDonald et lui, il va pas se pointer tout seul. Et oui, Yannou, il est en couple avec la chanteuse Julie Daibly qui s'incruste. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti. Eh, je vous avais prévenu, c'est un sacré bordel. Et c'est pas fini. Alors c'est parti mon kiki, accroche-toi. Peter Gills, qui est extrêmement las et déçu de ce premier échec, se part du groupe. Judy Daibly, elle rompt avec Ian McDonald. Ce dernier fait rentrer Peter Sinfield, un parolier poète dans la boucle. Mais surtout, Fripp va ramener un de ses potes, Greg Lake, pour remplacer Peter Gills à la basse et au chant. Nous sommes alors en novembre 1968 et ceci est la formation originale du groupe King Crimson. Le nom King Crimson fut trouvé par Peter Sinfield et même si on a une vaste idée de comment il a trouvé ce dernier, ça reste disons assez flou. Alors qu'il écrit la chanson In the Court of Crimson King sous acide, c'est pas une bonne idée. C'est clair, et en plus il va trouver ça sympa d'appeler son groupe King Crimson, autre nom du démon Belzébuth. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Oui, c'est vrai que c'est une période un peu spéciale dans la musique avec un nombre incalculable d'ovnis sonores, souvent avec des références mystiques, spirituelles ou encore sataniques, à l'image des groupes Coven, Black Sabbath ou Pink Floyd pour citer les plus connus. Si on a des doutes sur l'origine du nom King Crimson, c'est tout simplement parce que ce dernier ferait référence en fait à la pierre philosophale, souvent représentée dans un rouge cramoisi et dont la représentation physique est un roi. Quand on regroupe tout ça, la période largement influencé par les drogues, une fascination par l'ésotérisme en tout genre, les paroles de Sinfield qui sont blindées de références alchimistes, on comprend très vite d'où vient le nom du groupe. Bien qu'il y ait un vrai travail collaboratif entre Fripp, Lake et McDonald, c'est vraiment ce dernier qui va endosser le rôle de compositeur au sein du groupe, notamment grâce à sa formation de multi-instrumentaliste et à l'incorporation de nouveaux instruments comme le mélotron. Après quelques mois de travail acharné et quelques passages dans les clubs de Londres, le groupe va se voir s'offrir deux opportunités qui vont les propulser sur le devant de la scène. Dans un premier temps, la BBC va proposer au groupe de passer dans la célébrissime émission Top Gear,
Mais c'est surtout le 5 juillet 1969, date décisive pour le groupe qui va être importante car ils vont jouer en concert à Hyde Park, concert organisé par les Rolling Stones devant plus de 250 000 personnes. Le journal The Guardian va faire une critique qui va encenser le groupe et hop, la légende est née. Et le 10 octobre 1969 sort In the Court of Crimson King. Pour beaucoup, cet album, c'est le début du rock progressif. Bah, ça j'ai plus. Si, il faut dire qu'avec ce rock teinté de jazz, de musique classique, donne une teinte sonore bien particulière à ce disque. Pete Townshend, le leader des Who, lors d'une interview, qualifiera le disque de chef-d'œuvre de l'étrange, rien que ça. Bah ouais. L'enregistrement débute en juin 1969 sous forme de jams qui n'aboutiront à rien et le groupe va opter pour une alternative bien plus radicale. En effet, les gars de King Crimson décident de retourner en studio en juillet 69, de se lancer dans l'autoproduction. Ils enregistrent sur Magneto en 8 jours top chrono. Qu'on se le dise les gars, ingénieur du son, producteur d'album, c'est un métier. Et le son chelou qu'on va entendre tout au long de ce disque, il est tout simplement dû au fait que les gars n'y connaissaient pas grand-chose et les 8 bandes stéréo sont pas du tout synchronisées. Pour les moins calés d'entre vous, ça veut tout simplement dire que la façon dont ils ont enregistré leur album... C'est de la merde. Mais bizarrement, ça marche quand même. Ils vont se classer 5e des charts britanniques à la sortie de l'album, 28e du Billboard américain, et surtout, ils vont aller se taper le luxe de virer la première place détenue par les Beatles et l'Abbey Road au Japon. En réalité, les ventes de l'album au début, elles sont pas du tout dues à la musique, mais plus à sa pochette. En effet, les gens vont se ruer sur cet album sans savoir s'ils auraient aimé ou pas la musique de King Crimson, et ça à cause d'une simple raison, ça. Bah ouais, en fait, le style musical, ce que ça raconte, on s'en fout, on y va pour la pochette. La pochette de l'album a été réalisée par un jeune informaticien de 23 ans qui meurt l'année d'après. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Attends, c'est pas le pire, il meurt d'une crise cardiaque à 23 ans. Les plus jeunes d'entre vous ont forcément déjà vu cette pochette tant elle est devenue indissociable de la rock culture. C'est une représentation de l'homme schizoïde dont parle le morceau 21st Century Schizoid Man, le morceau d'ouverture de cet album. L'intérieur de la pochette, elle, est une représentation du King Crimson. Mais j'y pense, depuis tout à l'heure on parle d'un album de la fin des années 60, les paroles doivent être fun. Eh ben non, figure-toi, comme beaucoup de groupes à cette époque-là, les paroles sont plutôt pessimistes. On parle de la guerre du Vietnam, de la folie qui engendre les tueries de masse et notamment celle de la secte de Charles Manson. On va parler aussi de la désillusion du rêve américain, de la désillusion de Woodstock et c'est super important. Enfin bon, bref, des paroles bien dark. Ce qui va faire rentrer au panthéon du rock progressif cet album, c'est tout simplement que aucun des morceaux pour l'époque ne rentre dans les standards pop qu'on peut entendre. En effet, tous les morceaux dépassent allègrement les 6 minutes. Vous avez forcément déjà entendu le morceau d'ouverture de cet album. Déjà, pour les plus geeks d'entre vous, en 2009, 21st Century Schizoid Man est considéré comme l'un des morceaux les plus difficiles du jeu Guitar Hero 5. D'autre part, ça a été un morceau qui a été repris un nombre incalculable de fois en passant de Ozzy Osbourne à Noir Désir. C'est surtout la télévision qui remet au goût du jour ce morceau, notamment les pubs pour les parfums Paco Rabanne et une pub pour la Ford Mustang électrique. Sérieux ? Une Mustang électrique ? T'en penses quoi, toi ? C'est de la merde. Novateur tant d'un point de vue musical que par son visuel révolutionnaire pour l'époque, In the Court of Crimson King a marqué son époque et surtout les générations qui ont suivi. Nombreux sont les artistes qui ont été influencés par la musique de King Crimson, de Kurt Cobain à Yes, de Dream Theater à Steven Wilson, de Mars Volta à Tool. Les gars de Genesis iront même jusqu'à se procurer un des 3 mélotrons qui ont servi à l'enregistrement de l'album. Cette influence s'étendra au-delà du monde de la musique puisque Stephen King va se servir du nom du roi cramoisi en hommage à King Crimson dans sa saga La Tour Sombre. A noter, et je finirai là-dessus pour ce monument du rock progressif, malgré le succès, ça va surtout signer l'éclatement total du groupe. En effet, Ian McDonald, au bord du rouleau, complètement séché par le rythme éreintant de la tournée, quitte le groupe. Il est suivi de près par Greg Lake qui part former Emerson, Lake et Palmer, qui est un autre monument du rock progressif. Voilà mes petits potes à la compote, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plus,
je vous invite à vous plonger dans cet album qui est incroyable. Et quand vous l'écouterez, pensez à vous abonner, la cloche, le pouce, comme d'hab. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine et tchuss !